Alors que les gens sont fâchés, l'État n'a plus peur d'afficher ses tendances clairement facho. Alors que les gens sont fauchés, qu'ils se pensent au perché sur l'échafaud. Alors que les gens sont fichés pour avoir cherché plus qu'il ne faut. C'est plus la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais bien l'afflux des gaz qui fait exploser le chauffe-eau. Si vos sujets s'embrasent, allumés par leurs mots, s'ils réclament table rase, aboient comme des animaux, et si vos lois s'envasent sous le poids de leurs mots, n'hésitez paz à faire usage de vos gaz lacrymaux. Ça réprime sans trop cabosser, et c'est le cancer qu'aura leur peau. Le peuple doit pouvoir bosser pour nous payer tout plein d'impôts. Faut gentiment les tabasser pour les tuer dans le bon tempo. C'est tout un art de les rabaisser pour leur faire embrasser le drapeau. Car les casseurs sont un cancer qui nous écœure de concert. De Satan les suppôts et des gauchos les corsaires. Et puis l'émeute ça nous dessert alors que les taux de l'euro se resserrent. On s'asphyxie si l'on ne peut plus pomper la terre parce que l'indolence prolifère. Heureusement, il y a la bonne vieille violence policière pour faire taire cette insolence populaire. Heureusement, il y a ces macaques à matraque bien baraques qui s'attaquent au tête à claque pour masquer les arnaques de notre bon vieux dictat opaque. Heureusement, il y a ces salauds de la BAC qui traquent et mettent en vrac chaque écolo qui bivouaque sur un tarmac. Qui plaquent et mettent à sac les écoliers qui bloquent des facs. Matraquent jusqu'au massacre tous les prolos quand on leur claque. Et c'est le gros lourd quand ils sont black. Ah, que mes meufs, ces scènes orgiaques, ça me rappelle l'époque canaque. Les coudes des os qui craquent, la vue de leur air patraque pendant leurs arrêts cardiaques. Ce que ça peut être enivrant, le sang se mêlant aux flaques. Et après, ça vous surprend que tant de gens se braquent. Et les puissants, petit message du vert en direct du JTR. Vous pourrez faire pleuvoir les lacrymos comme en Crimée, discriminer les beurs et les incriminer pour tout le fric que vous cramez, vous n'aurez jamais le cul des crémiers. Aussi nombreux soient les tonfas, la parole ne sera pas étouffée, car même après nous avoir tout fait, d'autres auront toffé de l'étoffer. À l'opposé du peuplier, tout un peuple peuplier, sans jamais cesser de se redresser, il n'y a pas plus constant comme constat que l'histoire nous est dressée. L'arbre peut perdre des feuilles, mais la sève reste. On a besoin que d'elle seule pour vaincre l'Everest.